Bonsoir à tous et bienvenue sur un nouveau rendez-vous de Point 9. Au début du mois d'octobre, Laetitia Hallyday a versé de l'eau dans son vin et a appelé à la paix avec David Hallyday et Laura Snell afin de retrouver un terrain d'entente dans le cadre des Beyond the Tone. Certaines voix se sont exprimées l'intérêt financier de cette manœuvre de la veuve vider 30 millions d'euros de dettes et les léguer à ses enfants. Cette position devrait être clarifiée dans les prochains jours, notamment après l'audience devant la Cour d'appel de Versailles, qui se tiendra le mercredi 6 novembre à 9h. Ce lundi 4 novembre, la journaliste du Figaro, Léna Lotoud, se réagit face à cette audience. En absence de demande, cette nomination servira à discuter les coûts des avocats en particulier. Mode de conséquence pour deux affaires en cours. La demande française pour que la succession ait lieu à Nanterre par Laura Snell en février 2017. Et l'affaire américaine présentée par Laetitia Hallyday à Los Angeles en juillet 2018. Surtout, il y a quelques mois, la justice américaine semblait avoir pris en grippe les conseillers de la veuve et leur multi-mensonge. Depuis la fin du mois de juin, Léna Lotoud rappelle que le juge américain, après trois décisions importantes, interdire à Laetitia de transférer les actifs restants de John Hallyday en Californie, qui dispose déjà de dizaines de millions d'euros à l'abri pour la veuve. Un trace que les aînés de Johnny veulent les mettre sur la table. Le désir de ne pas s'immiscer dans les décisions du tribunal français. S'adresser uniquement à la justice française pour résoudre tout problème financier dans de nombreux documents obtenus quotidiennement par le journal français. Le juge des États-Unis semble s'opposer fermement au conseiller de Laetitia et leur dit des mots très durs. Dans le dossier, elle semble y avoir beaucoup de points de désaccord, tels que la note de l'avocat de Laetitia, qui fait rapport au tribunal américain que l'action française est terminée, émettant simplement de préciser qu'il ne s'agissait que d'un référé et pas du procès sur le fond. Un oubli primordial pose des détails que le juge américain a mis en route et ne devrait pas servir les intérêts de Laetitia de l'autre côté de l'Atlantique. Car après l'audience du mercredi 6 novembre, à la cour d'appel de Versailles, qui permettra le procès sur le fond de se tenir ensuite à Nanterre. Le procès américain reprendra en revanche le 4 février 2020. Le juge doit finaliser la décision de déclarer son incompétence pour juger l'affaire et se porter à la défense de la justice française pour prendre le soin de s'en occuper. Un réception juridique est encore confuse à l'heure actuelle, mais nous devrions le voir plus clairement depuis mercredi. C'est déjà la fin de ce rendez-vous. Merci de s'abonner à la chaîne et n'hésitez pas à mettre un like. Ça nous aide beaucoup à nous développer. À bientôt.